La caille en Haïti, il y a un aspect de héritage nous qui reflétait particulièrement richesse qu'il ti pays. Et qui pas jamais manqué impressionner touristes. C'est héritage gastronomique pays. Gastronomie, c'est une partie de l'identité peuple haïtien qui reflète personnalité, histoire et puis tout relation nous gagner avec la nature. Haïti, c'est un pays tropical, mais tout, c'est un pays montagne. Des éléments ça yo fait que nous joignons une variété écosystème qui permet nous produire toute qualité fruits, légumes et l'autre bagaille. Dans tout pays, sorti dans le nord, rive jouk dans le sud, dans tout département, ou ka découvrir des plats qui uniques et qui gagnent tellement bon goût, c'est coupé douette. Cuisine haïtienne reflète un mélange culturel incroyable qui prend racine en Europe, tant qu'au Bénin, en Afrique, tant qu'au Maï Boukane, ou soit Tom Tom, et puis tout depuis Indien Taïno, tant qu'au Tchaka et Kassab. Préparation chaque plat vin tourne tan kou yon hommage pou zansèt yo. Pou célébrer bel héritage sa, nous-mêmes nan ATH nous décidé invite kek chef local. Ensemble, nous pral découvrir goût ak savè peyi a. Chaque chef pral préparer yon menu typique de youn nan 10 département peyi a. Premier département nous allons visiter, c'est le département de l'Ouest. Mais avec deux chefs là, monsieur Palim de Plat et qui boit exactement que nous avons représenté. Well, moi c'est chef Lionel Henry, je suis Marguerite Port-au-Prince. Je dis à nous venir présenter griot, banane pesée et puis diri national. Griot, tout le monde connaît avec épices locales, oignons, poivrons, thym, piment. Pour nous bouillir et puis nous gagnons ce stock là, nous font bouillir et nous mettons là-dedans. Et puis diri national qui c'est diri avec pois rouge, banane pesée et puis nous présenter là avec timali sauce. Timali sauce là c'est oignon, échalote, carotte, vinaigre, sel, poivre, piment et puis l'huile chaude. Nous mettons sous les. Non, c'est chef excellent. M'a présenté notre douce macos qui sortit du bois et douce macos là n'a pas accompagné de un liqueur mandarine et gingembre de liqueur vitalia. C'est bon appétit pour nous dire là. Enjoy. Bonjour tout le monde, ma présenté, c'est chef Missol. C'est moi-même qui directrice l'école des chefs, nous capables avec moi camper des dômes élèves moi qui aide me préparer toute ça nous là aujourd'hui. Sur table là, n'a remarqué que me gagné un petit michandel qui sorti Gonaïve dans ville la caille moi. Un petit mien n'a pas bon légumes tout fait bérégène militant accompagné de syrik. Moi gagne toujours dans la tibonite là, la l'eau avec du riz blanc et puis crabe. Ce genre chef Missol dit là, dans l'école des chefs, ça qui est important, c'est non seulement conserver la tradition, mais porter une innovation. Ok, donc là, nous avons un canapé de polenta avec un zaboka, un petit haran sous tête, un petit tomate. Qui sont mal moulins avec zaboka? Mais quand même, dans l'autre façon, dans l'autre genre. Son bon petit ensemble pour nous faire nos petits cocktails accompagnés de prestige. Chaque fois que vous avez prestige, je suis capable de prendre un bon café Rebo. Bonjour, et moi c'est Lionel Pressoir, il m'a présenté M. Jutlaine, un chef restaurant Le Trois Dec qui ferme dans la zone 15. Je dis, hein, nous représentons Grandas. Donc, place à que nous gagnons, c'est un plat typiquement vedette de Grandas là même, qui c'est Tom Tom avec sauce calalo picard, et puis un poisson boucané. Et comme dessert, nous gagnons un bon comparé. Et nous pouvons servir avec un rhum barbancourt dans un cocktail gagné sirop de grenadine là-dedans. C'est une merveille. Salut tout le monde, moi c'est Chef Josué, moi je présente Wow Bay Beach. Je dis à moi j'ai honneur pour me présenter nous et un plat typique du département de Nîmes qui c'est un fruit de mer. Fruit de mer ça c'est homard. Donc moi-même, moi présenter nous aujourd'hui Roma grillé. Roma grillé, dit accompagné avec une sauce beurre d'ail bien assaisonnée et accompagné de banane pesée pickles. Pour capable bien déguster plat Roma ça, nous offrons boisson ça qui c'est spécialement boisson Wow Bay Beach et qui c'est un mélange de deux rhum barbancourt
et avec toute qualité fruit ça yo que n'a gardé là. Et ensuite nous gagne comme cocktail et toujours un mélange de fruits qui c'est fruit local. Donc d'ores et déjà moi c'était nous bon appétit. Bonsoir, moi c'est Rudy Jean, c'est chef Mina Basile. Nous représentons Canel Restaurant Plaza Hotel. Et nous venons présenter nos spécialités du Sud-Est, qui c'est biscuits et ziri yuri jonjon. Biscuits là, et c'est spécialité du Sud-Est. Nous juste mettons biscuits, nous tremper et puis après nous nettoyer et puis nous faisons confit avec échalote, piment, persil. Nous avons du riz qui c'est jonjon qui c'est basilic. Puis nous avons tablette douce coco et nous qui fait avec coco et même. Et puis comme élément de base, c'est lait et puis gingembre, cannelle. Alors lorsque nous avons dégusté plat du jonjon et biscuit là, il y a un bon cocktail qui fait à base de rhum barbanco et de citron, très apprécié. Et pour le dessert qui c'est douce cocoyer, il y a un bon café expresso fait de repos à permettre que nous faire ressortir le goût et de dessert là beaucoup. Et ceci pour le bien de la gastronomie haïtienne. Bonjour, moi c'est Patricia de Papa Restaurant. Je viens représenter le département du Sud. Nous faisons poisson gossel. Nous faisons poisson dans le bouillon avec produit local. Nous appelons avec échalote, nous mettons thym, nous mettons persil et nous accompagnons avec igname. Naturellement, nous avons avec un cola couronne, boisson qui est plus ancien, qui est fabriqué en Haïti depuis 1924. Et nous avons fini avec un pain patate. Pain patate qu'on fait avec patate, cocoyer, lait, figue banane. M'espérez nous bien déguster. Et là, nous débarquons dans le département Nord-Est. Bonjour messieurs, dames, est-ce que nous pouvons présenter ça? Bonjour, et nous représentons Cuisine La Réserve. Moi c'est Chef Robert et Chef Janita. Nous avons un menu et sauce pois noir, maïs blanc, sauce lambi, créole. Et puis nous avons un dessert et tablette roulée. Comme touche, nous mettons un petit jus coco et local dans maïs blanc noir. Wow. Et puis pour couronner le tout, nous avons mangé place avec un bière prestige. Bonsoir, moi c'est chef Larissa de Assou, au restaurant qui est dans le Caribe. Aujourd'hui, je m'a présenté nous un plat typique du département Nord du Cap-Haïtien spécifiquement. Là nous avons un poulet au noir, riz blanc. Et comme d'habitude, nous mangeons la bapé, mais c'est toujours un grain nous gagnons qui la bapé bouille. Donc je dis à me décider de faire une salade la bapé qui gagne avocat, tomate, persil et oignon blanc. Nous gagnons un dessert que en Haïti nous mangeons en pile qui tablette au noir, accompagné de un jus citron mélangé à sirop grenadine de Maison Vital Leon. Bon appétit, merci beaucoup. Moi, c'est Chef Coury dans l'hôtel Montana, restaurant à Cajou. Je présente nos assistants qui c'est Cédric. Nous présentons Nord-Est avec un cabri boucané, banane pesée, maïs bouilli et avocat. Nous avons du riz jonjon, ensuite pickles. Pour accompagner tous les éléments, nous présentons bien prestige. Bien prestige, ça, que nous marinons cabri tavel au moins 24 heures. Nous cuites les et moi souhaitons nous que le nous déguster bon cabrita n'a pensé à bien possible. Et là nous arrivons dans le dernier département qui c'est le département centre. Nous avons chef Gary avec nous qui va parler du département centre qui ça le porte pour nous aujourd'hui. Bon, moi c'est chef Gary, moi représente Café 36. Dans le département centre, nous faisons un tiaka côté que lui-même il y a un jour là-dedans. Et puis nous faisons avec un bien cochon et puis il y a un bœuf là-dedans. Après ça, nous avons un dessert comme pain maïs. Le pain maïs, nous mettons farine maïs et puis lait de coco, nous mélangeons avec lait normal, c'est comme dessert. Mon cher, avec un petit cola couronne, c'est toujours bon. La couronne, on va y aller.
Nous avons 1804 raisons qui fait que la cuisine haïtienne t'a supposé reconnaître comme une plus bonne cuisine dans le monde. Et sous le jour, figurer en tête de liste arguments sous exceptionnalité gastronomie haïtienne. Après plusieurs années révolution, mais surtout plusieurs siècles d'esclavage, finalement, 1er janvier 1804, nous fêtons naissance pays noir, Haïti. Pour célébrer victoire ça, gros accomplissement ça, ancêtres nous yo te choisi préparer un plat colon yo te interdit nous manger. Depuis là ça, soupe jou moi, tout nos symboles souveraineté pays d'Haïti. Dernièrement, dans date 16 décembre 2021, UNESCO vient classer plat national ça sous liste héritage mondial. Peut-être symbolisme. C'est un honneur pour tout Haïtien. C'est une opportunité pour nous, Haïtiens à travers le monde. Réfléchis sous question protection héritage pays et valorisation. Pour nous, Haïtiens, gastronomie pays son fenêtre nous l'ouvre sous richesse, créativité et talent nous comme peuple. Ils permettent nous rassembler entre familles, amis, voisinage ou soit communauté pour nous célébrer l'union et le partage. Patrimoine gastronomique pays d'Haïti capable d'un gros atout touristique. Héritage ça, que ce produit ou soit connaissance, c'est une partie intégrale dans l'offre culturelle pays. Si nous arrivons à développer tourisme gastronomique là, nous allons encourager leur tradition et connaissance à tout acteur local dans le pays. Programme ça, c'est un projet ATH, Association Touristique d'Haïti, porté pour nous. Patronné par Romba Bancour, Brasserie La Couronne, Prestige et puis Marriott. Axi pour l'autre membre association touristique là, pour sensibiliser peuple haïtien sous question patrimoine pays. Et puis apprendre nous connaître, protéger et respecter.